Voyons ensemble les règles du tennis de table. Tout d'abord, la surface de jeu. On joue sur l'ensemble du plateau, dont le bord de la table, mais pas sur les surfaces verticales. Pour gagner un point, l'adversaire n'arrive pas à renvoyer la balle. Il la renvoie à l'extérieur de la demi-table adverse. Ou alors la balle rebondit plusieurs fois avant que l'adversaire la renvoie. Ou alors l'adversaire frappe la balle de volée, il n'attend pas le rebond. Ou alors sa main libre touche la table. Son service est non réglementaire. Voyons maintenant comment bien servir. La balle est dans la main, paume vers le haut, main au-dessus du niveau de la table. On lance la balle en l'air à 16 cm minimum, puis on la frappe à son sommet. La balle doit rebondir sur sa demi-table, puis sur la demi-table de l'adversaire. On peut servir sur tout le terrain adverse. Pour choisir qui va commencer à servir lors d'un début de match, on fait un tirage au sort. Puis on change de serveur tous les deux points. Pour gagner un match, il faut deux sets gagnants de 11 points. Le premier qui a 11 a gagné une partie, c'est-à-dire un set. Puis on refait une autre partie ou un autre set. Par contre, s'il y a 10 partout, il faut 2 points d'écart pour choisir le gagnant. Par contre, en EPS, le premier qui arrive à 16 a gagné.